On est les meilleurs amis du monde. Ouais, les meilleurs, meilleurs, meilleurs. Tu peux aller te cacher, Rose. Moi, je vais choisir le bouquet. Le bouquet que je choisis, c'est celui-là. Tu peux venir. On va voir si elle va deviner. Celui-là. Lui de la France? Oui. Non, j'ai choisi l'autre. Bonjour à tous les fans de Playmobil en rose et bleu. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier unboxing Playmobil de la marque City Life, 4 ans et plus, de la référence 9277. C'est une petite cabane pour rongeurs. Le personnage suivant est cet homme qui est roux, qui a une chemise, un pantalon vert et des chaussures blanches. Tu lui donnes quelle note, Rose? On va mettre un 9 sur 10. J'aime beaucoup sa chemise. Son pantalon, il est trop beau, vert turquoise un peu, vert canard. Ses chaussures, bon, c'est un peu bof, mais je les aime bien quand même. Ses cheveux, ça va avec. Mais après, on peut mettre une paire de cheveux. Hein, c'est... Moi, je lui donne la note de 8. J'aime beaucoup ce personnage, mais je n'aime pas trop ses chevaux. Ses cheveux. La couleur de cheveux va très bien avec la chemise, hein. Mais par contre, la coupe, on peut dire que c'est un peu vieillard. Hein. Sur lui, ça fait un peu vieillard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo particulière. Parce que, en fait, nos petits bonhommes, là c'est bleu et là c'est rose. Donc aujourd'hui, on va déguster des bonbons. Des bonbons piquants. Donc là, on a donc tête brûlée, tout ça. Donc c'est des têtes brûlées et on va essayer des bonbons qui sont pareils mais qui sont pas têtes brûlées. Ça s'appelle des candy bombs. Les enfants? Oui. Approchez. Non, ça va. Si, si. Suis-moi. Elle est trop bien, ta cachette, Léa. Ouais, t'as vu? C'est quoi cette corde? Tu devrais pas toucher, Léa. Trop tard. Waouh, il est trop beau, le drapeau. Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal du 20h. Voici les titres de l'actualité. Alors, quel est votre choix? Lui! C'est bon, madame, on a fait notre choix. Alors, vous avez choisi lequel? Le petit chaton blanc qui s'appelle Mini, je crois. D'accord, très bien, j'arrive. C'est bon, je suis là, je vais récupérer Mini. Vous êtes prêts? Oui! Alors, c'est parti! Thank you.
trop cool! Si on faisait un château de sable... Oui, faisons-en un. Waouh, il est magnifique, les enfants! Cinquième 4. Moi je trouve pas ma classe. Oh, je suis en 5e 4 aussi. On est dans la même classe. 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 Coucou. Ah, au secours. Attention, j'arrive. Maxime, non! Je vais t'examiner. Non, 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 monsieur Kruger. C'est moi le médecin. Poussez-vous de là. Pince pour la bouche. Ok. Je crois que j'ai compris ce qu'elle a. Piqûre. Ah non, j'aime pas les piqûres. C'est pour te soigner. Une piqûre. Ah, ah mais bref, c'est le bébé du sanglier. Un mocassin. Un mocassin, c'est pas ça. J'avais dit avec quoi? Je croyais que c'était aussi un chien. Un chien avec un nez trop jaune. Ouh. Bah oui, c'est pour ça. Après, je me suis dit, oh, le nez, ça ressemble à un nez un peu comme le marcassin. Ou le mocassin. C'est quoi? Le marcassin. Ah, le marcassin. Voilà. Bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons réaliser des tutoriels pour Noël. Si ça vous intéresse, regardez la suite de la vidéo. Et comment vous annoncer que c'est le premier tutoriel de Rose? Chocolat chaud pour oublier ce malentendu. Ce malentendu, c'était Jean-Claude. Pauvre Père Noël. Pauvre Père Noël. Pauvre Père Noël. Oh, oh, oh mes chers lutins. Jamais je ne mettrai de robot dans mon atelier. Vous pouvez en tenir parole. Dégage du pôle Nord! Robot Noël est triste! Vous êtes fan de Playmobil rose et bleu? Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Au revoir, fan de Playmobil rose et bleu! Au revoir à tous et à bientôt!